President, please be seated. Président, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. Today, the chamber continues to hear the remaining testimony of witness Mui Wan Ni and begin hearing testimony of another witness, that is through TCW 988. Ms. Jesse Huang, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Greffier. Mr. President, for today's proceedings, all parties to discuss are present, except the National Litco lawyer for civil parties who is absent for personal reasons. Mr. Nunchi is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. The witness who is to conclude his testimony today, that is Mr. Mui Wan Ni, is present in the courtroom. The witness who is to testify next, that is to TCW 988, took an oath before the Iron Club Statue yesterday, and he has counsel Mung Sawan as his duty counsel. Thank you. President, thank you, Ms. Jesse Huang. The chamber now decides on the request by Nguyen Chia. The chamber has received a waiver from Nguyen Chia, dated 12 January 2016, which states that due to his health, headache, pain, he cannot sit or concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his rights to participate in and be present at the 12 January 2016 hearing. Having seen the medical report of Nguyen Chia by the duty doctor for the accused at ECCC, dated 12 January 2016, which notes that Nguyen Chia has severe back pain when he sits for long and recommends that the chamber grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Chia his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chia can follow. This applies to the whole day. And the chamber now hands the floor to the defense team for Akil Sampon to continue putting further questions to this witness. You may proceed. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Thank you, Mr. President. Good morning to all of you. Good morning to you, witness, Mui Wan Ni. Je vais poursuivre là où nous nous sommes arrêtés hier. Je vous rappelle qu'il est important de bien écouter mes questions et d'y répondre le plus précisément possible. Vous avez évoqué donc hier votre travail au sein d'une unité itinérante attachée au district, si et vous nous avez indiqué qu'à ce moment-là, les personnes qui composaient cette unité étaient des jeunes entre 20 et 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où vous étiez stationné, où était stationnée votre unité itinérante à ce moment-là? Mà con chị lát nó cứ ắt tiền thì con chị lát sốc thì As I was part of the district mobile unit, we were constantly mobile from one work site to the other. Donc c'est vrai, ma question n'était pas suffisamment précise, je vous prie de m'en excuser. Au moment de l'arrestation que vous avez évoquée hier, où est-ce que vous étiez stationné? I was in Sdao commune. J'étais dans la commune de Sdao.
Et à quel endroit exactement de la commune de Zdao? Exactly in Zdao commune were you? I was in Zdao village. Dans le village de Zdao. Vous avez indiqué que lorsque vous avez aperçu des gens en file indienne qui s'étaient apparemment fait arrêter, vous étiez vous-même de retour d'un endroit où vous aviez défriché de l'herbe et que vous étiez sur un char à bœufs. And that you were riding an est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous étiez tout seul sur ce char à bœufs ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous? There were two or three ox carts at the time, and we were assigned to cut the grass at a far distant place. Dans un endroit qui se trouvait éloigné. It was in Mokampul district. Dans le district de Mokampul. So we were divided into different groups, and my group arrived rather late. Assez tard. And halfway through our journey, arrivé à mi-chemin de notre voyage, I saw what happened, and when we returned to our sleeping quarters at a mobile unit, the situation was rather quiet. La situation s'était calmée. Vous avez indiqué hier à un moment que dans votre unité, il y avait une majorité de Cham. Est-ce que vous parliez bien de cette unité mobile itinérante? Ou est-ce que c'était d'une autre unité dont vous parliez? I refer to my unit. Je fais référence à mon unité. And that is the unit that I was attached to, and there was a mixture of the Cham and the Khmer people, and it was a small, a mobile unit. C'était une petite unité itinérante. Donc, on est d'accord que le jour où vous revenez de votre journée de défrichage sur la charrette à bœufs, vous faites partie de cette unité qui comporte à la fois des Khmer et des Cham, c'est bien ça? Unit that included Cham people as well as Khmer people, is that correct? Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Dans mes notes, j'ai noté que vous aviez indiqué qu'il y avait dans cette petite unité à peu près 5 Khmer et 25 Cham. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Did I understand your testimony properly? Cannot recall the exact words that I used. However, if that is what I stated previously, I stand by it. This event took place a long time ago. En fait, moi, je ne veux pas vous mettre les mots dans la bouche. Je voudrais que vous nous indiquiez les choses au meilleur de vos souvenirs. Il me semble que c'est ce que vous avez indiqué hier. Au meilleur de vos souvenirs, est-ce que vous pouvez vous souvenir du nombre de Cham et de Khmer qu'il y avait au sein de votre unité? How many Cham people and how many Khmer people there were within your unit? I did not pay much attention je n'ai pas vraiment to fait attention à cela. And I only knew some of them, je and n'en not all. Certains, je ne les as for the pas names, tous. Also I only knew some of their en names. De même, je connaissais my certains main de leurs attention noms. Was focusing on the verb assigned to me. Le travail although que we were in the same small et unit, si nous I dans la même did not unité, know everyone. Ne connaissais pas tout le monde. Est-ce qu'il est exact de dire dans is ces conditions true, que vous ne saviez pas forcément exactement qui était Cham et qui était Khmer? Who was Cham and who was Khmer? Bah, penou que
Yes, and what I can recall is that those people who were arrested were all Cham. Because there were not many Khmer in the unit. Because if everyone had to be arrested, it means the Khmer people had to be gone too. It means there would be no one left in the unit. Donc il n'en serait resté plus personne dans l'unité. Hier, vers 10h31, vous avez indiqué que le moment où vous êtes revenu sur la charrette à bœufs était le soir, vers 18h. Aujourd'hui, vous nous avez indiqué qu'il y avait plusieurs autres charrettes à bœufs. Qui conduisait ces charrettes? Est-ce que vous vous souvenez? I was assigned alone to cut the grass. On m'avait demandé à moi tout seul. However, other members of the unit were assigned to various villages within the commune to perform different tasks. Pour effectuer différentes tâches. And I myself was assigned to cut the grass, on m'avait demandé d'aller couper which the de village, with the people from the kitchen et unit. Les gens, avec les gens de l'unité de la cuisine. Vous aviez indiqué donc qu'il était 18h et hier, vous avez mentionné que vous n'avez reconnu qu'une ou deux personnes dans la file indienne. Est-ce que je dois comprendre de votre déposition qu'il faisait sombre. That it was dark then. Bah. Yes. Oui. Puisque vous n'avez reconnu qu'une ou deux personnes, comment pouvez-vous être sûr que toutes les personnes arrêtées étaient des Cham? All of the people who were arrested were Cham. Because in my unit, parce que dans mon unité, all the Cham people les Cham were arrested and there were only a few left and they were all Khmer. Que quelques personnes et c'était des Khmer. Mais vous venez de me dire un petit peu plus tôt que vous ne saviez pas forcément qui était Cham et qui était Khmer. Donc comment so vous faites how were you able cette affirmation to, how can you assert that? Comme je le dis depuis le début, the people who were called to go were all a Cham, and if everyone Cham, in my unit had to be called, it means I myself would have been called too. Si je comprends bien votre déposition, so vous-même, well, vous êtes arrivé à un moment où les gens avaient déjà été appelés, puisqu'ils étaient déjà en file indienne, et si j'ai bien compris votre déposition d'hier, vous les avez trouvé sur le chemin. So dans ces conditions, vous ne savez pas, vous n'étiez pas présent quand les personnes ont été appelées, n'est-ce pas? So that is to say that you were not present when these people were called together. Am I correct? Bah. Yes. Oui. Donc, est-il exact de dire que vous ne savez pas exactement dans quelles conditions ces arrestations ont été opérées? These arrests took place. Bah. Yes. Oui. Les autres personnes qui étaient sur d'autres charrettes à bœufs, vous nous avez indiqué qu'elles étaient allées dans d'autres villages. Est-ce que je dois comprendre que c'était des gens d'une autre unité? So must I understand that these people belong to another unit? Yes, they did. Oui. Et est-ce que vous les connaissiez? And did you know these people? Est-ce que vous saviez d'où elles venaient, ces personnes? Did you know where these people came from? No, I did not. Non.
Vous avez indiqué hier également que un certain nombre de cham de votre unité venaient de Angkorban et de Saxo. Est-ce que vous-même vous connaissiez, vous étiez allé déjà à Angkorban et à Saxo? Been to Saxo and to Angkorban? Later on, I knew of that village. Plus tard, j'ai connu ce village. In Kongmyo district, dans le district de Kongmyo, there were about two communes where the Cham people resided. Où résidaient les Cham. Vous me dites plus tard, vous avez connu ces deux villages. Moi, ma question, c'était, au moment où vous étiez dans l'unité mobile, est-ce que vous étiez déjà allé dans ces villages? Had you already gone to these villages? No, I did not. Non. Est-il exact donc de dire que vous ne connaissiez personne de ces villages et que vous ne connaissiez pas les Cham avec lesquels vous aviez travaillé au sein de l'unité mobile avant de travailler avec eux? I did not know them all because our unit, because it was a mixture, but it is my understanding that Cham people resided in two communes, Angkorban and another commune. However, Saxo was a village within that commune. Je voudrais revenir maintenant à la période au cours de laquelle vous avez travaillé à la pagode de Trakun pour Horn. Hier, à 10h17, vous avez dit que vous ne passiez pas tout votre temps à la pagode, mais que vous restiez en général avec les soldats de la commune. Alors, je voudrais que vous précisiez ce point, répondant à mon confrère hier. Victor Copé, vous aviez indiqué que vous passiez parfois une, deux nuits à la pagode et d'autres nuits ailleurs. Est-ce que vous pouvez préciser à la chambre où étaient basés ces soldats de la commune où vous dites, pour lesquels vous dites, pardon, que vous passiez du temps avec eux lorsque vous n'étiez pas à la pagode? When you were not at the pagoda. At that time, we were stationed in various communes, namely Ripai. And usually we would be stationed at the outskirts where there were forests. And parts of the forces were used, for example, for various other tasks, to dig and carry dirt. However, I did not know every single village situated within the commune. I only knew locations where I was stationed, namely Kiao village. Le village de Kiao, à savoir. Et est-ce que je comprends bien votre disposition? Cela veut dire que lorsque vous étiez posté avec ces soldats de la commune, vous accompagniez Horn dans le cadre de ces inspections des stations militaires? Horn, when he would come to inspect the military stations. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Et vous dites que ce sont les soldats de la commune, ce sont avec les soldats de la commune que vous restiez. Qu'en est-il des soldats du district? Savez-vous où ils étaient stationnés, eux? I think you got confused.
je crois que the person was in charge of the district soldiers. However, allow me to clarify, those district soldiers were stationed in various communes under that district. Sous ce district. And they might be stationed for a week or a fortnight in a particular commune and then redeployed to be stationed elsewhere in another commune under the district. Dans une autre commune placée sous la responsabilité du district. Du coup, lorsque vous avez indiqué hier que vous restiez en général avec les soldats de la commune, est-ce que c'était des soldats du district qui étaient dans une commune particulière ou est-ce que c'était d'autres soldats auxquels vous faisiez allusion? Est-ce que c'était à d'autres soldats, pardon, que vous faisiez allusion? The communes had their own soldiers, and there were different groups from the district soldiers. And Horn was in charge of district soldiers, not the commune soldiers. Et puisque vous travaillez avec Horn, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi à ce moment-là vous restiez avec les soldats de la commune? You would stay with the commune soldiers. President, I have not heard the witness refer to a commune soldiers, and counsel, maybe you got confused. Yesterday, the witness testified that the soldiers belonged to the district. However, they were stationed in various communes where there were issues, and they would be stationed for a specific period of time and then redeployed to other communes. And that's what the witness testified yesterday, and that's what he is testifying now. He refers to district soldiers who were stationed in various communes in Pim Chi Kong district. Je dois avoir un problème dans ma traduction alors et dans mes notes, mais il n'y a pas de souci, je vais clarifier. Notes, so est-ce que vous confirmez que lorsque vous avez indiqué que vous restiez avec des soldats, il s'agissait des soldats du district? These were district soldiers. They were district soldiers, as clarified by the president. C'était des soldats du district, comme vient de le clarifier le président. Et est-ce que vous me confirmez que Horn lui-même était un militaire? As I stated from the outset, he was in charge of soldiers, and he was also in charge of the Otakun Security Center. And when he was on a mobile with the soldiers, he would assign his deputy to take charge of the security center. Sometimes he would stay at the center for a week, and then he would leave to various other locations to inspect his soldiers. Afin de mener des inspections auprès de ses soldats. Ma question précise était de savoir si Horn était un militaire, et si tel était le cas, est-ce que vous connaissez son grade? Did you know his rank? The witness stated that the person was in charge of the district of soldiers as well as in charge of the Otakun Pagoda Security Center. And witness, please, only respond to the counsel about his military rank. What rank did he hold? Please be brief if you know the response. And if you don't know, you say you don't know. And it's also part of your response. Answer, he was in charge of district soldiers. Il était responsable des soldats du district. Est-ce que je dois conclure de votre réponse que vous ne connaissez pas son grade? That you did not know his rank.
Yes, that is correct. Did not know his rank. President, Deputy Co-Prosecutor, you have the floor. Monsieur le Co-Procureur, vous avez la parole, dit le Président. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'il y avait de grade en tant que tel sous les crèmes rouges, mais je peux there was an error on my part, I don't think it was an... C'est la fonction qui font... Qui font en quelque sorte le grade, mais il n'y avait pas de rang de généraux, de maréchaux, etc. There were no il me semble avoir entendu des témoins parler so de différentes unités, de chefs d'unité, de bataillons, etc. Donc, il me semble que ça s'apparente à des grades, mais en l'occurrence, compte tenu de la réponse du témoin, je ne vais pas m'étendre sur la question. Nous aurons certainement d'autres lieux pour en discuter. Monsieur le témoin, j'en reviens à la suite de mon interrogatoire. Pendant la période pendant laquelle vous travaillez avec Han, j'en viens maintenant au moment où vous étiez. Lorsque vous étiez à la pagode, vous avez indiqué qu'il y avait un lieu au sein de la pagode où vous dormiez. Est-ce que vous pouvez préciser à la chambre à quel endroit cela se trouvait? Vous avez évoqué un certain nombre de bâtiments. Est-ce que vous pouvez être plus précis? C'était à la résidence des moines. And it was an old existing structure of a monk residence. It was not newly built. Ce n'était pas un nouveau bâtiment. Est-ce que vous pouvez situer ce bâtiment par rapport à l'entrée de la pagode? Can you situate that building in relation to the entrance to the pagoda? It was situated within the compound of the pagoda. Était dans l'enceinte de la pagode. J'ai bien compris, moi ma question c'est par rapport à l'entrée du bâtiment. I did understand par rapport à l'entrée de la pagode, est-ce que c'était à côté de l'entrée, entrance. Est-ce que c'était à une certaine distance de l'entrée, est-ce que vous pouvez situer en termes de distance où se trouvait ce logement des moines où vous habitiez parfois? Can you tell us where exactly the monks were staying, as you pointed out? Answer. It was behind the main hall. C'était derrière le hall principal. Donc si je comprends bien, lorsqu'on rentrait dans la pagode, il y avait d'abord le hall principal, et ensuite il fallait continuer pour arriver pagoda, au logement des moines, c'est bien ça? You had the main building, and then you passed that building, and you'll get to the building in which the monks were housed. Is that correct? Yes, yeah. That is correct. Oui, c'est exact. Hier, à 13h47, yesterday, at vous avez indiqué que des interrogatoires de prisonniers se faisaient au sein d'une école. Est-ce que vous pouvez indiquer où se trouvait exactement cette école par rapport à la pagode? Can you tell us where exactly that school was situated in relation to the pagoda? It was adjacent to the gate of the pagoda. À côté du portail de la pagode. Est-ce que c'était à l'intérieur de la pagode ou à l'extérieur de la pagode? Within the premises of the pagoda or outside the premises of the pagoda? Answer. It is still located in the same place. Elle est toujours là. There was a building within the compound of that school. Il y avait un édifice à l'intérieur de l'enceinte de l'école. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre réponse. Ma question était de savoir si l'école était à l'intérieur de l'enceinte de la pagode ou à l'extérieur. The school was within the premises of the pagoda or outside of the premises of the pagoda. Answer. It bordered along the fence. Et c'était à côté de la clôture. And it's still in the same location bordering the fence of the pagoda. Et toujours au même endroit. The location of the school is now l'école transferred to the authority under different neighborhood.
été transféré aux autorités d'un autre voisinage et jouxté la pagode. Quand vous dites qu'elle jouxtait la pagode, est-ce que je dois comprendre donc que l'école se trouvait à l'extérieur de la pagode? I understand that you mean that the school was outside à côté de la clôture, mais à l'extérieur. Est-ce que nous sommes bien d'accord? It was near the fence, but was it outside of the pagoda? Are we agreed that it was outside of the pagoda? Answer: yes, you are right. Oui. Vous avez indiqué que compte tenu de votre âge et de vos fonctions, vous n'aviez rien à voir avec les interrogatoires. Duties, you had Est-ce nothing que vous to savez do with qui menait ces interrogatoires? Do you know whether those interrogations, oh, who carried out those interrogations? Do you remember who conducted those interrogations? Answer. Perhaps it was Bot or Kung. Peut-être était-ce Bot or Kung. The two individuals were the deputies of Horn. Ces deux personnes étaient les adjoints de Horn. Vous venez de répondre peut-être. Là encore, j'attire votre attention sur l'importance de ne parler que des choses. Que vous connaissez, que des choses dont vous avez été témoin. Si vous ne savez pas, je préfère que vous me répondiez que vous ne savez pas. Donc, je répète ma question, est-ce que c'est une supposition de votre part ou est-ce que vous savez réellement qui menait les interrogatoires? Was it an assumption on your part or you truly knew who conducted the interrogations? The interpreter could not hear the beginning part of the sentence or the début de la réponse du témoin. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, monsieur le témoin, votre réponse? Mr. Witness, nous ne l'avons pas entendu en interprétation. Repeat your answer. The interpreters didn't hear it. There was only two individuals, Bot and Kung. Deux personnes, il y avait Bot et Kung qui faisaient cela. Tout à l'heure, vous avez dit peut-être. Est-ce que là maintenant, vous êtes sûr de votre réponse? Are you sure of your answer now? I am sure. J'en suis certain. Vous nous avez indiqué que vous ne participiez pas à ces guerres, que vous ne participiez pas aux réunions entre chefs et que vous n'aviez donc pas d'informations sur leur travail exact. You knew nothing. Est-ce que il est exact de dire dans ces conditions que vous-même, vous ne savez pas quelles étaient les raisons des interrogatoires et comment ils se déroulaient? Answer. Yes, President. Please hold on, Mr. Winner. You have the floor now, Deputy International Co-Prosecutor. Je voudrais faire une objection parce que hier, I would like to object to this question because yesterday the witness indeed said that when he accompanied Horn outside of the commune and so on and so forth, he did not attend meetings, ici, c'est un and autre so contexte. He didn't know the contents of those meetings. Now we are talking of another context, bien the Wat Ochakun Pagoda. Je ne pense pas que ce soit exactement la même situation. What he told the investigating judges. I don't think aux réunions qui avaient lieu the situation is same as yesterday. Ici, il s'agit du fonctionnement they are not talking of meetings outside of pagoda. We are talking of functions within Ou meetings within the pagoda. So this question, à mon avis, je pense qu'il faudrait reformuler cette question. To confuse the witness. Il n'y a pas de problème, je vais reformuler. Should be rephrased. Monsieur le témoin, no problem. Est-il exact de dire que dans le cadre de witness, vos fonctions, vous n'aviez aucune part aux interrogatoires? You did not play any role in investigations or interrogations. Answer: yes, that is correct. Effectivement. Est-il exact également de dire que les deux personnes que vous avez citées qui s'occupaient des interrogatoires ne parlaient pas avec vous du contenu de ces interrogatoires? Did not discuss the contents of those interrogations with you. Answer: yes, that is correct. C'est exact. Est-il exact également de dire que vous ne savez pas sur quels critères telle ou telle personne était interrogée? The criteria on which any of the persons involved were interrogated. President, you have the floor now, International Deputy Co-Procureur Adjoint International.
L'avocat de la défense pose toutes des questions négatives, extrêmement restrictives. Les mêmes questions pourraient être posées de manière ouverte. Negative questions, the same questions, should be confirmed qu'il ne sait pas. Posed openly. For instance, she can ask, "Do you know?" And if he doesn't know, can say he doesn't know. So the questions should be open and not closed. Je dois dire que je trouve assez ironique que ce soit Monsieur le co-procureur, dont nous savons comment il pose des questions, comment il a posé des questions de façon très peu ouverte. Donc là, je pense que c'est une les questions que je viens de poser sont parfaitement claires, parfaitement précises. Le témoin, s'il a d'autres éléments à me dire, peut le faire. Ce sont des questions qui sont suffisamment ouvertes pour que, si le témoin veut me répondre par la négative, il peut le faire. Donc, je demande à être autorisé à poursuivre ma ligne de questionnement. May I continue my line of questioning, President? The objection of the international deputy co-prosecutor is correct. Retient l'objection. The last set of questions put by counsel are leading ones. Witness, you are instructed not to answer these questions. Nous vous demandons donc au témoin de ne pas répondre à ces questions. Je suis assez étonné de la décision compte tenu du fait que c'est une formulation récurrente de mes interrogatoires et qu'il n'y avait pas eu de problème jusqu'à présent. Je prends note. My examination of the witness in a very clear manner, and I take note of your decision. President, the question are leading ones. Vos questions sont orientées. I decided already. La chambre a tranché. Is that correct? And the question are leading ones, so sometimes I am lenient, but I cannot be lenient forever. Faire preuve de patience, mais je ne peux pas être patient éternellement. Monsieur le témoin, est-ce que dans le cadre de vos attributions, as part of your duties and responsibilities, vous pouviez savoir pour quelle raison telle ou telle personne était interrogée, pour quelle raison telle ou telle personne n'était pas interrogée? One person or the other was interrogated, and another was not interrogated. I am not aware of that issue. Je ne suis pas au courant. I do not know about the interrogation. Et je ne sais pas au sujet des interrogatoires. Je passe maintenant à un autre point, toujours en rapport avec la pagode d'Outrakoun. Vous avez indiqué hier qu'il y avait un groupe au sein de la pagode qui s'appelait le groupe des longues épées. Est-ce que vous pouvez indiquer quelle était la différence entre ce groupe des longues épées et les soldats du district? The district soldiers and the members of the long swords group. Answer, the difference is that la différence one est group celle-ci. Was stationed at the security center, and militiamen were les to protect and deal with the chaotic situation at the different communes for three or four days or one week. Pendant deux ou trois jours, voire une semaine. Et quand vous évoquez les miliciens, est-ce que vous parlez du groupe des longues épées? When you refer to militias, are you talking of the long swords group? Those who were on standby at Outrakoun. Ceux qui étaient de permanence à Outrakoun. These people remain on duty within Outrakoun Pagoda. Ces personnes étaient de garde à la pagode de Outrakoun. Et dans le cadre de leur garde à Outrakoun, que faisaient-ils? And as part of their guard duty at Outrakoun, ces miliciens du groupe des longues épées. What were those militias of the long swords group doing? Answer. I do not know about that. Je ne le sais pas. Est-ce que vous savez s'il y avait des groupes de longues épées
ailleurs dans toutes les communes de Kangmi. In the Kongmi's commune, throughout that commune. I do not know about je ne le savais pas. Et est-ce que ce groupe des longues épées était également sous la supervision de Han? And was that long swords group also under Han's supervision? Answer. They were under the responsibility of Han and ils the deputies. Sous les ordres de Han et de ses adjoints. Est-ce que vous connaissez un dénommé Samrit Moy? Did you know a person by the name of Samrit Moy? I did not know this person. Je ne connaissais at the time. Pas cette personne à l'époque. President Judge Lavenge, you have the floor. Le président, la parole est au Please juge. Please wait for a second, counsel. Veuillez attendre. You have the floor now, Judge Lavenge. Maître Guisset, je ne mets pas en doute votre capacité à prononcer le Khmer I de am façon not parfaite, in a position mais to pronounce il serait Khmer peut-être bon, si vous voulez avoir une réponse qui puisse être utile, de pouvoir communiquer aux témoins un document où serait écrit le nom de cette personne, pour que vous puissiez lire éventuellement, written, ou alors que votre so confrère Khmer puisse le lire. Otherwise, perhaps you could ask your colleague to pronounce that name. I will ask my colleague Konsamon to pronounce that name Moy. To avoid any difficulties. Do you know a person by the name of Samrit Moy? Konsamon, the name mentioned by the interpreters is correct. The name is Moy, Samrit Moy. C'est Moy, Samrit Moy. Look, Satay, look, squall, chmoh. President, Mr. Vines, do you happen to, did you know the person by the name Samrit Moy in the Khmer Rouge time? Du nom de Samrit Moy. Answer, I did not know this person. Le témoin, je ne connaissais pas cette personne. Même procédé donc pour la personne suivante. Est-ce que vous connaissez un certain Tai Ki Hoon? For the next person, do you know a person by the name Tai Ki Hoon? Okay, correct. Il paraît que ma prononciation était correcte, donc a priori. It appears that the pronunciation was correct in principle. Je répète ma question, donc, monsieur Let le témoin, est-ce que vous connaissiez question, à l'époque du Kampuchea démocratique un certain Tai Kim Hoon? Democratic Kampuchea, did you know a person by the name of Tai Kim Hoon? I did not know this individual je ne connaissais pas cette personne at the time. À l'époque. However, when I came to perform my duty as a teacher Cependant, in my location, I started to know this person. Je l'ai connu. As I moment. Said, during that regime, I did not know him. Mais je le répète, sous le régime, je ne le connaissais pas. Précisément, vous avez indiqué que vous êtes revenu non loin de la pagode de Trakun dans le cadre de votre travail d'enseignant. Est-ce que vous connaissez un comité de la pagode qui siège actuellement qui existe actuellement au sein de la pagode d'Outrakun? In the Outrakun pagoda. Admin, bon. Answer, no. Non. Et Tai Ki Hoon que vous dites avoir Moon, connu whom you say récemment, en tout cas depuis votre retour en tant qu'enseignant dans la localité, comment est-ce que vous l'avez rencontré? As a teacher, how did you get to know that person? How did you meet that person? Scorpio.
answer. I got to know him in 1985 je l'ai connu en 1985. When I was assigned to be a teacher in the location. Année à laquelle j'ai été envoyé enseigner à cet endroit. And it was the time when he was assigned to be the committee within the school that I got to know him. Once again, as I said, I did not know him during a Pol Pot regime. Je ne l'ai pas connu sous le régime de Pol Pot. Et sans l'avoir connu sous le régime, savez-vous s'il a occupé des fonctions? You may not have known him during the regime. Do you know whether he had any particular position under the democratic Cambodia regime? Answer, I do not know about that. Je n'en sais rien. Et même question pour Sam Rithmoy. Est-ce que lui, vous l'avez également connu après le régime du Kampuchea démocratique? After the democratic Kampuchea regime? I did not know him during the Pol Pot regime. Je ne le connaissais pas sous le régime de Pol Pot. Where was he living during the time? Où habitait-il à l'époque? Tell me. President, you have the floor now, Judge Lavergne. Le président, la parole est au juge Lavergne. Juste et pour les besoins du transcript et pour être sûr que record, tout le monde puisse être savoir sure de quoi on parle. That everyone is aware of what you're talking about. Sous contrôle de maître Antaguissé que Samit Mouy. Et un pseudonyme qui est 2TCW883 et que Tai Kim Woon un pseudonyme qui est 2TCW883. Vous pouvez me corriger si je me trompe. Please correct me if I am c'est wrong. Bien exact. Je parle de personnes qui ont déjà déposé devant cette that chambre. Is true, because I'm talking about persons. Donc ma question reste la même, monsieur le témoin, est-ce que monsieur, j'ai bien compris que vous n'avez pas connu Sam Rithmoy à l'époque des faits du Kampuchea démocratique. Ma question est de savoir si vous l'avez connu après, lorsque vous êtes revenu dans la localité. Him subsequently when you return to that area. Answer, I did not know him before, within the regime, and I want your clarification where he was living during the time, and perhaps I am not quite sure of the name. Car peut-être je m'a, and as of now, is he living within the same location as mine? Toujours au même endroit que President moi? Intervenes. The président. Question is whether you know a person by the name Samrit Mouy within your place of work. Là où vous travaillez. After the fall of the regime, did you get to know an individual après by the name régime, Samrit Mouy? Avez-vous connu un homme s'appelant Samrit Mouy? Back from school. Answer, yes, I know him. Oui, je le connais. Et comment le connaissez-vous? Savez-vous s'il occupe une fonction particulière dans la localité? How did you get to know him? Did you know whether he had any particular duties and responsibilities in that area? Answer. I know him, but I do not know what responsibility he is performing. Je ne sais pas quelles sont ses fonctions. J'en ai terminé de mes questions, Monsieur le Président. Je vous remercie. I am done with my examination of this witness, Mr. President, and I thank you. President, thank you, counsel. Merci, maître. Thank you, witness Mouy Vanny. The hearing of your testimony as a witness comes to a conclusion now. Your testimony will contribute to the truth. You may now be accused. You may return to your residence or to any destination you wish to go. I wish you good luck. Good health and prosperity.
Bonne chance, Frère bonne santé. Please work with the Wesu unit to send Mr. Samrat Moy, said the president, to the residents or to any place he wishes le to Samrat go. Dit le président, retourne after the break, chez lui où il souhaite aller. The chamber will start to hear 2 TCW 988. The witness has a UT counsel, Mr. Mung Soban, with him or her. It is now avocat de break time. The chamber take a short break from now until 10 past 10 to resume our hearing. The court is now in recess. Suspension d'audience.